miles aside from us. So bonjour les amis, donc aujourd'hui on est au Castelet et j'ai un super privilège puisque derrière moi je découvre la magnifique et splendide GT2 RS et on va découvrir ça ensemble. Elle est juste absolument incroyable cette voiture. On est à l'étape où on attend le fameux briefing pour cette journée de folie. On va faire un track day aujourd'hui, ça va juste être la guerre. J'ai mis du temps à être sur le parking parce qu'il y a des caisses de folie, il y a des GT3, des GT3 RS, il y a une magnifique GT2 RS qui est arrivée tout à l'heure. Quand je regarde devant moi la vue de la baie vitrée, c'est juste absolument incroyable. Et regardez-moi un peu ce parc de folie qu'on a. Pour le coup, l'expression de porcherie vient de prendre tout son sens parce que là, on a une vraie grosse porcherie, les copains. Regardez, il y a deux GT3 qui sont juste là, couleur orange. Il y a une GTR. Il y a plusieurs, bon, Carrera, Turbo, Cayman GTS, celle de mon poteau Baptiste. Il y a deux GT3 encore ici et là. Il y a des turbos, il y a des Caymans, on dirait un GT4. Je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est un kit ou... Là, on a un M qui arrive, on dirait. Une GTR. Vous pouvez reconnaître au fond la BMW. Hop, que je zoome. Celle de monsieur Goodboy qui va tourner aujourd'hui sur le circuit. Là, c'est vraiment de la folie, c'est vraiment un grand kiff. Donc maintenant, place aux consignes de sécurité, puisqu'on reste sur un circuit. Et sur un circuit, il y a des règles. Il faut savoir respecter les autres et aussi respecter les drapeaux, puisque les règles des drapeaux vont nous être communiquées. Et on va découvrir ça maintenant. Donc c'est parti pour le briefing. Donc là, on vient de terminer donc le briefing où on a eu toutes les consignes de sécurité et les instructions pour pouvoir tourner convenablement sur ce circuit mythique. Maintenant, on va aller prendre place vers le paddock, faire la pression des pneus. Notre session est à 10h, donc on va essayer de voir si on peut trouver un petit baptême, pourquoi pas dans une GT3, GT3 RS ou plus si affinité, de manière à vous faire partager un moment exceptionnel pour cette journée. Donc maintenant, direction les bagnoles. Bon, nous voilà les copains, de retour avec mon super casque préparé par mes potos de la Farled. On est sur le circuit Paul Ricard et j'ai le privilège d'être à bord d'une merveilleuse GT3. C'est mon premier baptême dans une GT3. Et on va découvrir le circuit.
charge, elle va pas chercher ses appuis. Il a pas trop forcé, il me dit. C'est là où tu te dis, il y a vraiment du potentiel sur cette voiture. Donc là, on attaque la grande ligne droite du Mistral, 150, 180, 196. Point de freinage à 200. Il y a eu le blanc-pain il y a quelques jours. Donc je pense que la gomme, enfin la piste, elle doit être pleine de gomme. Gros freinage là sur la chicane, ça rentre très fort. Adaptée au circuit finalement parce que elle se place parfaitement dans les trajectoires et alors elle a la puissance, le freinage. Ça va retomber la deuxième pour entrer dans la grande ligne droite, même pas, et là il va accélérer. Waouh, c'est ouf! Bon, après quelques tours, on fait une petite pause parce que la voiture monte un petit peu en pression au niveau des pressions de frein, et donc, enfin des pressions de pneus. Donc, du coup, on va rééquilibrer un peu les pressions de manière à pouvoir repartir. Donc là, c'est un peu grave! Et en fait, c'est les coulées qui arrière, ça aussi.
vois la GT3 RS qui est derrière, elle est beaucoup plus. Hop, ça va chercher l'arrière. Allez, il veut la GT3 repasser. Oh, elle est petite. Je laisse passer parce que je le trouve un peu trop près. Ouais, t'as raison. Il vaut mieux être safe. Voilà la fin de cette session avec ce merveilleux baptême. Merci à Mathieu qui a accepté de me prendre avec lui, pour découvrir la GT3. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une Porsche, c'est magique. C'est des voitures qui sont faites pour être sur circuit. C'est radical en termes de freinage. C'est extrêmement efficace en termes de châssis. Mais ce qui est aussi très important, c'est de maîtriser la pression des pneus, parce qu'on a vraiment vu la différence entre le avant-après, quand les pneus étaient montés un peu en température, et le moment où elle était à bonne pression, vraiment, c'était vraiment un grand kiff, parce que la voiture était vraiment extrêmement efficace. Donc là, on va rentrer au paddock, on va aller se reposer, se rafraîchir, et puis ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester maintenant la petite A45 pour voir ce qu'elle donne sur le circuit. A tout de suite.